Bonjour les amis, dans la vidéo de ce jour, nous allons aller faire un petit tour du côté du Pays Basque, l'ancien pays du rugby si j'en juge par les résultats actuels. Pas de polémique. Aujourd'hui, on va faire un poulet basquez, simple, délicieusement parfumé. Pour réaliser un poulet basquez, nous avons besoin évidemment d'un poulet. En l'occurrence, un poulet fermier, parce qu'il est un peu plus long à cuire et donc il va laisser plus de saveur tomber dans les légumes pendant la cuisson. On a besoin d'oignons que j'ai déjà hachés. On a besoin de poivrons, deux verts, deux jaunes, deux rouges. Un piment, si possible d'Espelette. Vous le reconnaîtrez, il est rouge. Celui-là, c'est un piment qui vient d'ailleurs. De l'huile d'olive. Jambon de Bayonne, coupé en tout petits morceaux. Si c'est trop gros, ça n'a pas le temps de cuire, ça va être dur à la dent. De l'ail. Comment on fait pour réussir la recette? C'est très simple, on commence par découper le poulet. En l'occurrence, aujourd'hui ça tombe bien, je suis tombé sur un poulet de droitier. Vous allez le couper en quatre. Je fais la découpe devant vous parce que l'autre jour, l'un de vous m'a dit, on aurait bien aimé vous voir découper le poulet. Alors, découpons le poulet, un morceau. Ensuite, vous prenez l'arête centrale, là. Vous suivez bien. Vous allez jusqu'à ce petit truc, vous savez, là, qu'on tire pour faire un vœu. Et vous suivez toujours l'os. Vous arrivez sur le côté. Vous cherchez la jointure. Quand vous avez trouvé la jointure, vous avez découpé tout. Voilà. Le flanc avec l'aile. La cuisse. Je termine l'autre, on se revoit tout de suite. Pendant que je découpe le poulet, je lance à chauffer l'huile pour pouvoir faire revenir les quelques morceaux de poulet. L'huile chauffe et là on fait revenir les morceaux de poulet. Alors, messieurs, dames, quand on fait revenir une viande, on la pince, on la pique pas. Si on la pique, on casse l'effet de ce pourquoi on la fait revenir, à savoir créer une croûte, en plus de récupérer les sucres. Messieurs, dames, j'ai sorti le poulet doré de chaque côté, dans la même casserole. Je fais revenir transpirer mes oignons. Un peu doux. Je vais y mettre aussi l'ail écrasé. On laisse revenir une ou deux minutes. Et on y ajoute les cubes de jambon de Bayonne. On ne les met pas avant parce que sinon ils ont tendance à créer un petit morceau sur le côté qui va empêcher qu'il soit fondant à la fin. Une forme de piperade, comme dirait notre ami Gilbert, qui tout à l'heure a regardé sur Internet. Il a dit, le poulet basquez, c'est une piperade avec du poulet. Bon, c'est vrai aussi. La piperade, c'est quoi? C'est des poivrons qui vont être fondants. Donc on va pas tarder à les mettre, et après on va être obligé d'attendre un petit quart d'heure pour qu'ils deviennent fondants. Voilà, là on va pouvoir les intégrer tous d'un coup. Le piment qui n'est pas d'Espelette, parce que le piment d'Espelette, il est rouge. On va laisser ça à couvert
et à feu doux pendant un bon petit quart d'heure. On se revoit dans un quart d'heure. Ah oui, excuse-moi, je te demande pardon, je rectifie tout de suite. Allez, va t'entraîner. Pardon, messieurs, dames. Un ami basque rugbyman qui m'appelle pour me dire, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait mettre des tomates. Les tomates, elles sont là. Et ça tombe bien parce qu'il faut les mettre maintenant. Donc maintenant, on va mettre les tomates. On va assaisonner aussi. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et on y met les tomates. Alors, vous savez, je vous le dis à chaque fois, entre une mauvaise tomate achetée fraîche et un bon tomate concassée en boîte, choisissez le tomate concassée en boîte. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Les tomates ne sont pas encore au top niveau. On verse ça. On remue bien. Et maintenant, on va y déposer les morceaux de poulet dessus. Légèrement remonter un peu de poivron par-dessus pour que ça recouvre à peine. On couvre. Feu doux, très doux, c'est parti pour une heure. Une heure. Dans une heure, normalement, tout est bon. Si vous remuez, vous faites attention à ne pas blesser le poulet. On se revoit à la fin du match. A tout de suite. Une heure de cuisson, 1h05 pour pas vous mentir. Et là, comme prédit, c'est un beau jus qui s'est formé, qui sent divinement bon. Alors, on va dresser. On va prendre une pince. On va prendre un morceau, en l'occurrence une cuisse. Et on va y mettre, juste à côté, notre piperade. Voilà. Ici, vous mettez le légume que vous voulez. Déjà ça, c'est pas mal, hein, ça fait une garniture. Mais si vous voulez en mettre un peu de riz, un peu de pommes de terre, un peu, vous pouvez. Rien comme ça, c'est super bon. Moi, ce que je reçois, je vous le transmets. C'est que du plaisir. Plus je regarde, plus ça me fait penser à toutes ces couleurs du sud, du Pays Basque. Je les ai vues sur une toile faite par Claude, un ami. C'était magnifique. Bon, magnifique, que dire de plus les amis? Sinon, bah, faites-vous plaisir, réalisez un poulet basquaise, allez, à vos fourchettes, à vos couteaux, et bon appétit! Alors, tout se passe bien ?